serais bienvenu. Ah non, ah non. Non. Escalier. Ok, la porte elle est là. Ok, très bien. Bienvenue pour notre nouvel épisode de la survie du week-end. Dark Walker, où nous avons une nuit infinie. Et souvent des aurores boréales qui commencent à devenir rares. Je sais pas pourquoi, mais on a très peu d'aurores boréales depuis qu'on a commencé. Honnêtement, on a eu quoi? Peut-être une grande et c'est tout. C'est vraiment tout. Donc c'est un peu bête. Donc on a dans les 1500 calories, ce qui est bien. Et on commence à être, entre parenthèses, à court de nourriture. C'est-à-dire qu'il nous faut vraiment un ouvre-boîte, en fait. Parce qu'on va perdre trop de calories, en fait, à forcer tout ça. Il nous faut aussi plus de reishi, de champignons, de baies. Il nous faut beaucoup plus de ça. Mais pour le moment, en fait, c'est un peu chiant parce que ça se passe à l'extérieur. Donc, on a beaucoup de mal à résister, en fait, à l'extérieur. Parce qu'on a des vêtements de merde. Faut être honnête, on a des gros vêtements de merde. Donc c'est un peu un problème. On a un revolver par contre, donc on peut se mettre des balles dans la tête, il n'y a pas de problème. Donc ce que je voudrais faire, on est à Milton. On est à Milton. Je voudrais maintenant aller à la ferme. À la ferme de Milton, donc en contrebas. Enfin pas en contrebas, on va dire plus bas que la ville principale. Je pense que ça peut être assez intéressant d'aller là-bas. Donc j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça. Mais par contre, apparemment, on aurait un temps de merde. Donc, on est peut-être bloqué à l'intérieur. On va voir un peu. Ah ouais. Ah, c'est bien ça. Ouais. Il nous faudrait du bois. Il nous faudrait du bois. Voir pour quelques brindilles. Okay. Je suis en train de me dire que du côté droit il y avait peut-être les loups, mais apparemment vu que c'est une tempête, ils ont dû partir. Après je sais qu'on avait mis du feu de côté. Alors si jamais on fait du feu, qu'est-ce qu'on en fait du feu? C'est ça le plus important en fait. C'est qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Est-ce qu'on a des choses à faire cuire? Enfin oui, on a ça. Ça, les champignons. 5 avec ça, les baies ça fait 6. On a 6 fois. C'est pas vraiment intéressant, je vais être honnête. On va en déposer quelques-uns, parce que de toute façon, on n'a pas besoin de tout ça. Je vais être honnête, c'est pas vraiment intéressant en fait de faire du feu. On est en pleine nuit, donc on peut pas faire grand-chose non plus. Ah oui, il y a tout le tissu aussi. 5. Hop, 5. On est en pleine nuit, donc on peut pas coudre. Il y a plein de choses qu'on peut rien faire en fait. Donc on est un peu bloqué, j'avoue. En fait, faut espérer que le temps s'améliore, tout simplement. Là. D'accord. C'est vrai que là j'avoue que je suis un peu bloqué. Après comme j'ai dit, si on fait du feu, bon oui, on peut faire cuire les thés, mais est-ce que ça va vraiment être utile? Après on va dire oui, bon, on pourrait faire aussi de l'eau, mais on en a de l'eau. Donc ouais, c'est pas vraiment intéressant. On a tout ça d'eau. Alors je sais que c'est dans la nuit, mais on est dans l'immeuble, on voit quand même assez. J'ai pas envie d'utiliser la lampe. Mais c'est vrai que là on est un peu bloqué. Après on pourrait aller de bâtiment en bâtiment.
qui se réchauffaient comme ça. On pourrait déjà peut-être un peu avancer parce qu'on a des bâtiments qui sont proches de la ferme, on va dire. Enfin, dans le chemin de la ferme. Donc peut-être qu'on peut faire ça à la limite. On peut faire ça. Parce que c'est vrai que nous, on peut sprinter. Non, c'est à celle d'après. Hop là. Et oui, parce que en temps normal, en intrus normal, on pourrait pas vraiment sprinter comme ça. Donc, c'est vrai qu'on va en profiter. Et oui, ça c'est bien ça. Par contre, je vais regarder s'il n'y a pas des rideaux à faire ici. On les a tous faits, je sais pas. Ça se... Hop. En haut peut-être. Ok. Un rideau. Est-ce qu'on a... Y a rien d'autre par terre, genre qu'on peut casser ou quoi que ce soit. Table, non. On voit un peu, je vais juste descendre. Alors je pense qu'on va... Ce qu'on va faire, c'est peut-être mettre le... Le sac de couchage par terre et se reposer dedans. Comme ça déjà on aura le bonus en fait de chaleur un peu plus, donc on se réchauffera plus vite. Et en espérant que bah, que la tempête s'arrête, ou alors après on sprint. Le problème c'est qu'il faut récupérer la clé. On peut pas directement... genre rentrer dans la ferme. C'est beaucoup de calories en fait perdues pour rien, j'ai envie de dire. Ça c'est un peu embêtant quand même. Elle est où la porte? Je pense qu'on va courir. Je pense qu'on va courir. On risque de perdre un peu de vie. Ça c'est un peu le mauvais côté. Honnêtement, je pense qu'on va perdre un peu de vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment courir le long du chemin. Trouver la clé. La clé, elle est sur le cadavre derrière, je crois. Ou alors dans le tracteur. Ou la maison. Ah! Ça s'arrête un peu. Ça s'arrête un peu. Après, on n'a pas de... Vous voyez, c'est pour ça aussi que c'est important. Chaque fois, je dis, récupérez des baies et des champignons, parce que ça vous permet, en fait, de les créer. C'est un peu comme le coup des rideaux, en fait. Ça vous fait passer le temps, et c'est jamais du temps perdu, en fait. C'est du temps qui est bien utilisé, mais ça vous fait passer le temps. Bon, bon, déjà on n'aura plus la tempête. Bah, il fait sûrement super froid, mais déjà on n'aura plus la tempête. Ouais, ça va. Et let's go. Ouais, parce que en théorie, ici on le sprint jamais. On le marche. On fait juste marcher. Et j'avoue que marcher, en fait, c'est extrêmement chiant parce que la zone est quand même bien et grande. La ferme est là-bas. Donc on a le temps d'avoir froid. Mais là, vu qu'on sprint, bah c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, je vais être honnête, c'est un peu mieux. On va peut-être sortir le revolver, je sais pas. J'entends des loups. Est-ce qu'elle est là, la clé? Non. Ça, c'est la maison. Je sais plus où elle est, la clé. Ma voiture, là. Et je la vois pas en plus.
Là. On est bon. Elle est là. Cours, rentre. Vache. Aïe. Ah, attendez, il faut que je boive un petit coup. Ouh la vache. Que vient-il de se passer? Bon, on a tiré une balle. Je crois qu'elle était à 86%. Je pense qu'une balle, c'est 1%. Donc, faudra faire attention à ça. Ok, on n'a pas perdu... Honnêtement, on n'a pas perdu énormément de vie. Je suis très, très content de ça. On a trouvé un deuxième jerrycan. Il a seulement un litre, ça fait chier. Mais c'est pas mal. On va les déposer. Mais attendez, on va prendre... Merde, je vois plus rien, ça y est. 2 litres. Il est où l'autre? Ah, ok, alors, on va déposer celui-là. On va ravitailler. J'ai envie de ravitailler la lampe avec le plus de pourcentage, mais ça sert à rien, mais c'est juste un peu le... Genre, vous voyez, on va avoir l'équipement parfait, mais c'est vrai que ça sert à rien. Ça sert strictement à rien, parce que ça se consomme pas, ça descend pas. Très bien. Donc on a tiré une balle, c'est cool, je suis content. Ça l'a pas tué, mais je pense pas que j'ai... Je pense pas avoir tiré sur la tête, donc bon. Pour l'instant, je sais toujours pas si on peut one-shot les animaux avec une balle à la tête, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a trouvé du bois, on a trouvé ça... Ok, non, ça va. Let's go. C'était mouvementé, j'avoue que c'était un peu stressant. C'était un peu stressant. Ouais. Ah oui, ce qui est intéressant aussi, qu'on n'a pas avec, par exemple, un arc, vous avez vu qu'il y avait plusieurs loups. On a tiré sur un loup, mais c'est une arme à feu, donc ça fait du bruit, évidemment. Donc les animaux ont peur aux alentours. Et ça c'est vraiment le bon côté d'avoir une arme à feu. Parce que là, si on avait eu un arc par exemple, à la limite on aurait peut-être pu one shot. On va dire qu'on avait un arc genre niveau 5 et tout ça, ok. Genre on était vraiment Robin des Bois. On aurait peut-être tué le loup, mais l'autre il nous aurait complètement sauté dessus en fait. Alors que bah là non. Là non, parce qu'il a eu peur du coup de feu. Donc c'est vrai que j'avais pas vraiment pensé à ce côté là. Mais c'est utile, c'est quand même utile d'avoir le revolver. Et j'avoue que je préfère utiliser le revolver que le fusil aussi. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Je pense que en plus de près, honnêtement, quand on est à bout portant comme ça, nettement mieux le revolver. Puis on peut tirer assez vite. On est en Amérique ou... Non. J'ai appuyé sur la touche pour ranger le... ranger ce qu'on tient dans la main, du coup elle l'éteint automatiquement. Donc on a le fusil maintenant, ça c'est bien ça. C'est bien. Très bien. Après on va voir s'il est chargé et tout ça. On a du rideau à déchirer. Je suis un peu déçu par contre pour le jerrycan. Il y a seulement 1 litre dedans. C'est pas énorme. Donc je sais pas. On va devoir faire quelque chose pour l'essence. J'ai rien en tête. Honnêtement pour le fuel, j'ai strictement rien en tête. Je vois aucun moyen d'en récupérer. Je vois strictement zéro moyen d'en récupérer. À part s'il y a de la pêche genre en contrebas où il va falloir descendre avec une corde. Mais honnêtement, je crois pas que ça existe à Milton. Donc pour moi, on risque d'être à court de fuel. Faudra qu'on parte de Milton à un moment donné. Oh mon dieu, regardez-moi ces réserves. Ah.
Oh, yes, marteau. Oh, c'est bon, ça. On a le marteau. On va pouvoir faire... on va pouvoir forger. Après, comme j'ai dit, on va très vite partout, donc... faut vraiment penser à tout, vraiment regarder partout. Okay. Je pense qu'on a tout pris. Je vais être honnête, je pense qu'on a tout là. Par contre, je voudrais vraiment que les aurores boréales soient beaucoup plus fréquentes, parce que là, ça commence à être un peu... Enfin, les amis exprès, quoi. Mais au final, pas grand-chose. Ok, ferme. Ok, très bien. Je me mets juste près de la fenêtre, comme ça on voit un peu quelque chose. Ok, alors, résultat des courses. Déjà, je voudrais recharger l'arme. Alors, attendez... Ok, donc du coup on a une douille qui est par terre, c'est ça? Douille de revolver, ça marche. Il y a aussi une chose, c'est que le revolver, vous pouvez tirer sans viser. Vous tirez à l'épaule, quoi. Donc ça, c'est dangereux. C'est pour ça que je le range, en fait, quand j'allais genre dans les voitures. Enfin, j'essayais le plus possible de le ranger quand on allait en voiture et tout. Parce que si jamais vous... C'est un peu comme les allumettes, en fait. Si vous avez des allumettes en main, vous allez directement en gratter une, en fait, si vous appuyez sur la touche d'action, quoi. Et ça, ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux, en fait. Voilà, je voulais pas gaspiller de balles ou gaspiller d'allumettes et tout ça. Donc faites attention à ça. On a 42 balles de revolver, c'est vraiment bien. On a le marteau lourd, il est en très bon état, ça va. On a le fusil qui est vraiment en mauvais état, par contre. Je crois pas qu'on ait de balles. Non, on n'a pas trouvé de balles pour le fusil. Mais on a des balles de côté dans la maison principale. Donc ça, c'est bien. On a trouvé de la souche aussi pour faire de la mixture de balles. On va prendre ça. Ok, très bien. On a une tisane. On va la garder de côté. On a ça, 22 et 38%. Ça aussi, je pense pas que ça peut pourrir. Ce que vous voyez aussi, il y a le nom en fait qui peut aider. Par exemple, là il dit ça dit moisi, là ça dit racise, là ça dit rien. Donc ça, je crois que c'est tout le temps bon en fait. Là ça dit seulement cabossé. Alors que, genre, vous prenez de la nourriture pour chien ou alors des faillots, ça dit rouillé. Et rouillé, c'est très mauvais, du coup, évidemment. Donc, ouais. Mais je sais pas si moisi est... Ouais, moisi, je dirais oui, c'est un problème. Mais je me rappelle pas être malade avec ça. Ah oui, en tout cas, les vêtements. Fais voir un peu ce qu'on a. Okay. On a une veste de ski. La veste de ski est pas mal. 33 et 0,5. Ouais, ça c'est bien pour l'humidité. Donc on va la mettre en dessous. On verra quand on la réparera vraiment. Si on la met en dessous ou si on la laisse à l'extérieur. Parce que là on a contre l'humidité et contre le vent. Alors que ça c'est moins bon contre l'humidité et contre le vent. Mais je pense pas que ça va augmenter plus que ça. Même si on le répare, c'est surtout la chaleur qui va augmenter. Donc ça c'est bien. Les bottes, enfin les chaussures, on va les garder pour le cuir. On a récupéré ça. Zéro la douille. Ok, ça je savais pas par contre. On va voir pour dormir. On va faire ça. C'est juste pour passer un peu le temps. Je pense qu'on va dormir. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur? On peut sortir et essayer de fouiller un peu les environs, genre les voitures et tout ça. Je pense qu'on va faire ça.
Ah, attends, est-ce qu'on va manger avec canne? Il est très bien. On va laisser tout dans la maison par contre. Parce qu'on a beaucoup de choses qui sont lourdes là. Alors, le fusil, non, on n'a plus pas besoin de ça non plus. Merde. Qu'est-ce que j'ai déposé en plus? Pied de biche ici. 29, oui, 29 kilos, non, c'est bon, on devrait être ok. 29 kilos, c'est bon. J'ai envie de sortir la fusée, honnêtement, pour effrayer les loups. Mais je pense pas qu'on en ait vraiment, vraiment besoin. Je pense vraiment pas qu'on en ait vraiment besoin. On va voir un peu comment ça se passe. Ah, j'aurais dû me baisser. J'aurais dû complètement me baisser. Non, ça va. Okay, là, y'a rien. Ok, alors dépêche. Ça, c'est le plus important. Ok, je vais juste faire un tour derrière. Voir s'il n'y a pas autre chose. Ok, rien. Très bien. Ouais, j'avais vu, ouais, une corde. Merde, je suis bloqué. Très bien. Non, là, y a rien, non. On va regarder... D'abord champignons et tout ça, puis après on va se réchauffer. Et après on fait les granges et tout ça, le reste en fait. Non mais bon. Je pense qu'on a bien fait peur au loup. Alors, honnêtement j'ai aucune idée, vous pouvez me le dire dans les commentaires et je regarderai quand... Enfin vu que je fais des épisodes d'affilée en fait. Enfin bref, je regarderai éventuellement. Est-ce que... Tirer sur un loup, ça fait saigner. Est-ce qu'il y a un saignement en fait avec les armes à feu? Alors, en toute logique, j'imagine que oui, mais qu'il n'est pas vraiment très très important comparé à une flèche. Donc, je pense que notre loup est mort. Peut-être. Sauf si le saignement s'arrête au bout d'un moment. Mais donc je suis pas trop sûr en fait. On va se réchauffer. Donc ouais, ça je voudrais bien le savoir par contre. Ok, très bien. Très bien, on va prendre ça. Parfait. Ok, très bien. Alors la corde... Je connais un peu le chemin enfin, de la maison. Donc, on va mettre la corde ici. On la met dans le coffre. Après, il y a les faitous. Je sais pas si... Il nous en manque des faitous dans la maison principale de Milton. Je crois qu'il en manque un. Quoi qu'on pourrait tous les prendre et les mettre là-bas de toute façon. Et après, quand on repart, on en récupère si jamais on en a besoin. On va poser ça. Ça fera du bois. Ça, on va mettre voilà, un accélérant ici. Merde, je me suis perdu. Ok, on est là. On va peut-être dormir une heure. C'est vrai que là, on peut un peu abuser aussi le fait de dormir. J'y avais pas vraiment pensé ou expliqué. Vu qu'il n'y a pas de jour et pas de nuit, on s'en fout en fait.
Enfin, pas de nuit. C'est une nuit infinie. Du coup, on s'en fout en fait que ça fasse qu'on dorme ou pas. Donc là, on peut complètement passer des heures à se réchauffer ou quoi que ce soit. Ok, on va ressortir. Je me baisse. On va ressortir et on va regarder où il y a l'atelier. J'ai envie de voir si on peut tester de chasser un loup, mais je suis pas trop sûr. Le tracteur, si jamais on n'a pas oublié un truc, non. Avant de rentrer, on va faire... C'est la dernière fois, enfin, dans la cinquième saison, je me rappelle que on avait eu pas mal de problèmes ici avec des loups aux alentours, donc d'abord je fais le tour. Oh la vache, il est où? Ok, il est là. On va bien se placer, on va lui tirer dessus, lui. Attends, j'arrive. Ah, c'est con, hein. Moi aussi, je peux sprinter comme un... Ah non, ok, tu sprintes super bien. Okay. J'arrête. Ah tiens, on n'a pas trop froid cette fois. C'est bien. On avance un peu, on évolue un peu. Ah, est-ce que c'était nécessaire, honnêtement, de lui tirer dessus? Je dirais que non, mais bon. Faut bien tester un jour un autre. Hop, ça. Strictement rien, j'ai l'impression. Regardez s'il y a des... Non, s'il y a des hameçons. Je regarde s'il y a des hameçons. Non, là, il n'y a rien. Je crois qu'il y avait les baies, là, oui, donc je les ai prises. Je pense qu'on est bon. Ok, je pense qu'on est bon. J'aurais vraiment voulu le tuer. Ah! Un truc qu'il faut faire attention, j'ai l'impression qu'ils continuent à attaquer en fait quand on leur tire dessus. Par contre, où est-ce qu'on va se mettre pour la douille là? Je vois rien. Attendez. Okay, très bien. On va tout prendre et on rentre à la maison. Quoique non, peut-être pas en fait. Attendez. Non, peut-être pas. Pas encore. Non. Ce que je veux faire d'abord avant qu'on parte. Non, ce que je veux faire en premier, c'est aller récupérer B et tout ça. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut peut-être dormir une heure pour juste se réchauffer? Non, attendez. Ok. Oui, on peut complètement abuser hein, de dormir. On peut complètement abuser de ça. Je voudrais faire le tour, en fait, du périmètre pour récupérer tout ce qui est champignons, baies, macettes peut-être. Donc c'est vraiment ça, ça serait très important de récupérer ça. C'est quoi ça?
Ok, confirmation. Oui, c'est bien lui. Ok, c'est bien lui. Mais les lapins. On pourrait utiliser le revolver pour les tuer. Attendez, non, j'ai peut-être des... pierres, non ? Parfait. Ok, on a confirmation que une balle peut suffire. Une balle suffit largement pour tuer un loup en fait. Si on parle de saignement. Si on parle de saignement. Donc ça va, ça c'est cool. C'est très très bon. Go go go. Eh ben merde, c'est là. Allez. Allez, c'est compliqué de récupérer de la vie dans notre mode. Allez go. Parfait, on a toujours pas d'ouvre-boîte. On commence à être à court de bons bâtiments en fait. Je crois qu'on commence vraiment à être à court de bons bâtiments. Donc ça c'est un problème. Ça devient un tout petit problème aussi. On va récupérer la viande, c'est le principal. Je suis en train de me demander qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Ici, je pense qu'on a tout fait. Je pense qu'on peut partir. Je vais être honnête, je pense qu'on peut partir. On va encore abuser du sommeil, enfin de ça. Par contre... Ok, on va tenter ça. Très bien. J'ai envie de forcer ça. Fais voir, si on force, on perd combien? 225. Ça va. 200, on était à 300, on est à 225. Ouais. Il nous faudrait quand même une... Ouais, il nous faut absolument un ouvre-boîte. On va faire 100 pour le moment. C'est pas grave. Ok, très bien. Et à fond. Allez, pas froid. Très bien. Maintenant, on rentre. Attends, on va allumer la lampe. Maintenant, on rentre. On va voir si on laisse pas quelque chose dans le coffre. C'est vrai qu'on est quand même bien lourd. Déjà qu'on laisse la corde et tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait laisser d'autre? Voilà. Le livre, on prend. Kilos. kilos, c'est pas mal déjà, c'est un peu mieux. C'est un tout petit peu mieux. Ok, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Maintenant on rentre... Ouais, je... en train de réfléchir, il n'y a pas grand chose à prendre là. Ouais, on a fait le bâtiment, on a fait un peu les alentours. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre la corde et descendre, mais bon, encore une fois, on va avoir froid, etc. etc. Donc, non. Non, c'est bon, on y va. On y va, on rentre. Et après, je pense qu'on va aller à la... à l'église. Après, j'ai une question aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Si on tue des loups et tout ça, est-ce qu'on les mange ou pas?
pense qu'on devrait les manger. Je vais être honnête, je pense qu'on devrait les manger quand même. Parce que même si on devient malade, comme j'ai dit, elle va se fatiguer. Et dans un sens, c'est pas vraiment grave qu'elle se... Ah oui, non, il nous faut plein d'antibiotiques, j'avais oublié. Il nous faut plein de champignons ou d'antibiotiques. Non, 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 ça vaut pas le coup. Non. Déjà qu'on a du mal à en récupérer à cause du froid. Non, 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 on va pas le faire. C'est trop dangereux. Ça va être trop dangereux. Merde. J'ai entendu des aboiements au loin sur ma gauche. Peut-être. Oh, ça mange. Je crois qu'ils sont attrapés un lapin. Ils doivent être là. Oh, par contre, on est trop chargé. On pue la barbaque aussi. Donc, on va rentrer. Ouais, 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 ils mangent là. Faire attraper par un loup. Ok, parfait. Ah, c'est mouvementé, hein, mais ça va en y être. Parfait. Alors, ça, c'est très bien. Les plumes, très bien. Le bois, on va le prendre pour le moment. Alors là, on va mettre ça là. Pour le moment, celui-là, 100%. Le marteau, pareil. Les faitous, on va regarder. Tiens, déjà, ça, on va en mettre 10. Les faitous, on va voir combien on en faut. Les douilles, on va les... Ah, ça y est, comment ça pèse un poids. Les douilles aussi, on va les déposer, parce que pourquoi pas. On va charger notre fusil. Par contre, le fusil, il a 46%, ce qui est un peu léger. Et on peut viser... Ouais, on peut viser quand on se met accroupi. Ok, très bien. On va essayer de réduire le poids aussi. Voilà. Le revolver, en fait, ça va être notre arme principale, j'ai envie de dire. Hein, qu'on garde un peu sur nous. Pas extrêmement lourd. Le fusil, ça sera... Oh, il y a même le rajout des balles, en fait. Ça augmente le poids. Ça, je pensais que ça allait pas le faire, honnêtement, mais ça le fait. Le fusil, on va le sortir que quand on va chasser. Oh, on peut chasser du cerf, maintenant que j'y pense. Ah! Ah oui! Oh, j'avais complètement oublié ça. Très très bon, très très bon. Je crois qu'on va faire du feu. Je pense qu'on va faire du feu. On va faire cuire, on a le lapin à faire cuire. On a les petites tisanes à faire et tout. Attends, ça nous fait ça, ça. On a les tisanes en plus. Est-ce que ça vaut le coup de craquer une allumette pour ça, en fait? C'est ça que je suis en train de me demander.
C'est pas beaucoup au final. Non, peut-être pas. Peut-être pas encore. Pas encore. Parce qu'il faut se rappeler que Hamilton, enfin dans notre maison là maintenant, on a un x6. Hein. C'est un feu, c'est un x6. Donc. Ça va vite, hein, ça va très vite. Ah merde, déjà plein de trucs. Ça va extrêmement vite pour faire cuire les choses. Donc, si jamais on craque une allumette, il faut qu'on ait beaucoup à faire. Parce que sinon, c'est complètement. C'est du gâchis, quoi. Bon, par contre, il y a une tempête. Allumer la lampe. On a une tempête. Où est-ce qu'on pourrait aller chasser du cerf? Okay, très bien. Est-ce qu'on pourrait aller chasser du cerf? La viande, je vais la jeter par terre. Où est-ce qu'on pourrait aller? Vers la station service? Ah non, on pourrait aller sur la droite vers l'église, mais bon, c'est pas sûr qu'il y en ait en fait. Mais on pourrait... Attendez, où je suis ? On pourrait aller vers l'église. Il y a souvent du cerf. Mais le problème, c'est qu'il y a souvent aussi du loup. Donc, bon. Ça se tente, à la limite, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que ça se tente. Bien, on va poser là au parterre. Quand je suis en intérieur, comme ça je sais, encore une fois je le répète, hein, c'est un peu sombre. C'est parce que voilà, on économise. Okay. Ouais, on commence à être bas en nourriture. Ça, on va le laisser. Si jamais on va chasser, du coup il faudrait qu'on prenne du bois sur nous. Comme ça on fait un... Ah ouais, non, mais non. Il y a une tempête à l'extérieur pour le moment. Aïe 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 aïe. Un vrai casse-tête. On va y aller. On va y aller. On va aller vers l'église, on va voir de toute façon. Faut bien un peu... Faut bien un peu regarder le décor et tout ça, ce qui se passe. Hein. Enfin, il y a cette maison aussi. Oui, cette maison, je crois pas qu'on l'ait faite parce qu'il y avait les loups avant et ça nous bloquait un peu le chemin. Okay, très bien. On n'a toujours pas d'aurore boréale à Hamilton. C'est relou. Je voudrais vraiment pouvoir coudre. Ah oui, aussi le fait de faire du feu, ça va nous allumer de la lumière. Donc, enfin, ça va nous fournir de la lumière. Donc on va pouvoir coudre. C'est pour ça que si jamais on fait cuire quelque chose... Enfin, si jamais on allume un feu... Faut qu'on le fasse durer longtemps parce qu'on va devoir coudre, cuire, etc. etc. Donc, on peut la casser cette. calories. Non, on va pas le faire. Je suis sûr qu'il y a des choses dans cette boîte là. Je sais pas pourquoi, je le sens. Des fois, il y a des choses dans les boîtes, il y a des objets. Quelque chose. Je crois pas qu'il y ait des animaux.
crois pas qu'il y ait des animaux là. Normalement les cerfs ils peuvent être là. Bon après ils peuvent être un peu plus loin aussi. Mais là. Là en gros. J'ai l'impression qu'il y a rien. Après j'avoue que c'est un peu tempête aussi. Et après on va directement dans la dans l'église. Parfait, on n'a pas eu froid. Bon, j'avoue que ça c'est quand même pratique hein, le fait de pouvoir sprinter partout, d'aller de bâtiment en bâtiment, on n'a pas froid parce que normalement on devrait avoir froid. Le fait de marcher, on a froid. Là c'est beaucoup mieux. Donc ouais, on peut... Je peux tenter. Ce qui est bien, c'est qu'on apprend petit à petit, en fait. Là, j'avoue qu'on peut tenter des bâtiments comme ça. Je vais refaire des courses. Très bien. Je vais d'abord voir si on peut pas manger un truc cabossé. On va tenter. Pardon. Très bien, toujours pas malade. On est à 800. Ça c'est du 600, ça c'est du 450. On va d'abord faire le 450. On perd combien? On doit être à 400. On perd quoi? 10% encore? Ah, 38% de perte. Oh la vache, c'est une catastrophe. Ouais, ok. Ça par contre, c'est une catastrophe. C'est une... Ouais, non. On va devoir aller chasser le cerf. On va devoir aller chasser le cerf et se débrouiller avec ça. Parce que là, on peut pas... Ou alors, il faut vraiment, encore une fois, un ouvre-boîte. Hein. Mais on peut pas se permettre... Vraiment pas se permettre de perdre autant de calories sur les boîtes de conserve. Alors maintenant, je voudrais aller... Quand on sort, on va à gauche, en haut, en hauteur, et on va dans la maison en hauteur. On va là-bas. Faut faire gaffe, il y a des loups et des ours ici. On a des massettes aussi sur notre droite, ça peut être pas mal. Okay. Le bâtiment est pas loin normalement. Il est juste en haut de ça, je crois. Je vais être honnête, on trouve quand même beaucoup de balles. Je pensais vraiment pas qu'on allait trouver autant de balles. Cerf, ok, très bon. Gotta warm up somehow.
Ouh, on pourrait chasser. Ok, très bien. On pourrait chasser. Ok, on va voir un peu ce qu'il y a là-dessus. Enfin, ici, on va voir si je peux. On va se réchauffer et on va voir si on peut pas chasser le cerf. Si on peut chasser le cerf, ça serait magnifique. Parce que là, lui, il est près du bâtiment ici. Ah, on est tranquille ici. Donc, ça serait vraiment cool. Et on fait du feu juste à côté de lui. Ça pourrait être bien. On va essayer de bien lui tirer en pleine tête pour le coucher direct. J'espère que ça va bien se passer. Y a rien d'autre. Attendez, comme d'habitude, parce que on a du mal en fait à se réchauffer hein, encore une fois. Je vais juste voir, manger ça. Voilà. Peut-être les massettes vite fait. Ok, et on va tenter le. Heures, on va se réchauffer plus 3, c'est pas beaucoup, mais bon, au moins ça ira plus vite pour se réchauffer et on récupère un peu de vie à chaque fois, comme j'avais expliqué. Ok, c'est parti, chasseur, chasseur fusil, c'est la première fois pour moi, enfin, c'est pas exactement la première fois, mais méga rare. Donc. Oh, il est là. Pas qu'on ait froid, sinon on tremble. Ça a l'air pas mal. Merde, j'ai trop attendu. On est encore bon, on est encore bon. Faut qu'on se bouge un peu par contre. Parfait. Oh. Merde, la douille. Parfait! Parfait! Oh mon dieu! Putain, c'est... J'avoue que c'est quand même pas mal, hein, de... d'exploser comme ça la tête d'un cerf. J'avoue que c'est pas mal. Comme d'habitude, hein, j'ai jeté les allumettes en bois pour éviter qu'elle les utilise. Comme ça, on tape directement dans les allumettes en carton pour allumer la torche. Ah, oh, putain, comment ça marche ? Commence pas. Ah, j'ai l'accélérant. On va peut-être. Si c'est jamais ça loupe, j'utilise l'accélérant. Sinon, on va avoir trop froid là. Come on, little fire. Ok, cool. Très bien. Ça. 3 heures de feu. Le lapin, on l'a laissé à l'extérieur.
À la maison, c'est pas grave. Euh, 30 minutes, 15 minutes avec ça. On utilise la scie. Hein. Très bien. Mince, j'ai enlevé tous les... Ah, tous les récipients pour faire... Ah, on peut pas faire cuire les... Oh merde, c'est pas grave. On peut pas faire cuire... Les baies et tout ça, c'est pas grave. Alors, là c'est une heure pour deux. Ok, on va faire ça. Là, le truc c'est de faire cuire la viande. C'est tout. Que tout va bien. Ah, je suis content, ça se passe bien. J'avoue, c'est quand même assez simple de chasser au fusil. Ça change un peu. Oh, regardez-moi ça. Oh, c'est top. Marrant, ça nous fait faire de nouvelles aventures. Très bien. Très bien, une heure. On va tout prendre. Okay. J'ai cru que j'avais complètement merdé le timer de la viande. Mais ça va. Cuisine niveau 2, c'est très bien. Attends, 600. Quoi ? Oh, cuit, pardon. Encore une heure de feu. 37 minutes, une heure. Bon, on peut pas faire les baies, c'est pas grave. De toute façon, on va pas les faire là parce que c'est long. Est-ce qu'on fait durer le feu ou pas? Est-ce qu'on peut, on peut faire ça ou pas? Non, on peut pas. Du coup, on va récupérer la peau. Comme ça, ça nous fera déjà une peau qui sèche. Ok, très bien. Hop. 9 minutes, 37 minutes. On va voir pour 1 heure, 30 minutes. 30 minutes. Merde. Non, c'est bon. Ok, on a 18 minutes de feu, qu'est-ce qu'on fait ? Bah rien, on prend ça et on se casse. Ah parfait. J'attends que les braises s'estompent. Ouais, il n'y a plus rien sur la carcasse. J'attends que les braises s'estompent, comme ça on récupère le charbon et on est bon. Tout va bien. Fait un peu nuit parce qu'il n'y a pas la lune. On va voir si on peut pas... Voilà, très bien. Ok, ok, lui il nous a senti de méga loin.
Il nous a senti de super loin. Ok, donc ça nous fait... Ouf, c'est la fête. Ça nous fait un cerf complètement dépecé, complètement pris. On a pris toute la viande, toute la peau, tous les boyaux, on a utilisé les bons outils. Alors pour l'instant, on n'a pas de couteau et d'hachette. Donc on a utilisé la scie à la place. La scie est pas mal, la scie c'est vraiment... En plus, honnêtement, pour être honnête, la scie est pas mal parce qu'elle est facile à réparer. Il suffit d'un morceau de métal que vous pouvez trouver assez facilement, ou alors vous sciez quelque chose en fait. Même vous sciez avec la scie pour après réparer la scie. Par contre, il vous faut une caisse à outils. Et honnêtement, les caisses à outils, elles se détériorent pas vraiment énormément à chaque fois que vous réparez. Et je crois que quand vous réparez, ça donne genre 30% ou 40% de durabilité en plus. Donc honnêtement, la scie est vraiment bien. C'est pour ça que je conseille même d'utiliser la scie assez souvent. Moi, je le fais pas assez souvent. À chaque fois, je la garde de côté. Mais au final, je finis avec genre 4 scies qui sont à 100% tout le temps. Donc c'est un peu une perte. C'est un peu une perte, en fait. Donc ouais, utiliser la scie... donc on a une peau, c'est bien. On va mettre fin à l'épisode parce que honnêtement je suis très content. Donc je voudrais faire une pause là et après me préparer pour la suite. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors le problème encore qui nous reste, c'est qu'on n'a pas d'aurore boréale, donc on peut pas coudre. Ça c'est vraiment un gros problème. J'avoue qu'avec nos vêtements on a un problème. Ouais, on a vraiment un problème. Donc il faudrait, comme j'ai dit, il faut faire un feu très très long pour pouvoir cuire et en même temps coudre. Après bien sûr on peut s'illuminer avec la lampe directement, mais bon, c'est un peu de la perte honnêtement. Très bien. Quand ça sera vide, on le jettera, celui-là de Jerrican. On gardera l'autre. Donc on a utilisé une seule balle, ça s'est bien passé. Donc on peut facilement headshot un cerf. Je suis très très content de ça. Ok, notre carcasse a augmenté, on a cuisiné niveau 2. Les aliments cuits rapportent 10% de calories en plus, très bien. Très très bien. Ça se passe bien. Ok, alors... dormir, on va d'abord mettre par terre... Attendez, il y a quoi? Étagère en métal, ok. D'abord, on va mettre la peau par terre, ça nous fera... Enfin, quoique, honnêtement, elle va pas dormir longtemps, donc ça sert un peu à rien. Non, parce que je vais l'oublier. Non, je vais l'oublier pour l'épisode précédent. Donc, on garde tout sur nous. Désolé. Sinon, je vais complètement oublier. Donc là, on a un peu d'avance. À chaque fois, c'est 800. Vous avez vu? On est de 800, passe à 880 quand on fait cuire maintenant, donc ça c'est bien. Toutes ces boîtes de conserve, on va les mettre de côté pour le moment, parce qu'on n'a toujours pas d'ouvre-boîte, et ça c'est très très embêtant, ou alors de couteau, ou des trucs comme ça. Comme j'ai dit, les vêtements, on ne peut pas les réparer. Ça, il va falloir qu'on se vide un peu. Je pense qu'on va rentrer à la maison principale, et après, je vais décider où aller, honnêtement. Je vois pas trop. J'ai l'impression qu'on a un peu... Ah oui, non, on peut aller dans les hauteurs de Milton. À la limite, on peut aller dans les hauteurs de Milton. On pourrait faire ça. Je sais pas. Je sais pas trop. Parce que vu que maintenant on a des armes... Ouais. Je vais voir. Je vais voir ce qu'on fait la prochaine fois. Je sais pas. Ou on quitte Milton, ou alors on continue un peu dans Milton. Vu que maintenant on a des armes à feu, donc on peut chasser et se défendre. Mais encore, le problème reste... constamment le même, c'est qu'on a très froid parce qu'on a des vêtements tout pourris. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Je sais pas trop comment y remédier pour le moment. À moins qu'il y ait une grande aurore boréale qui dure 3 jours d'affilée et qu'on puisse vraiment tout recoudre, on va avoir des problèmes. On va vraiment avoir des problèmes avec ça. Enfin bref, c'est pas grave. On verra ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Et merci de suivre cette série qui est devenue complètement folle. À la prochaine. Ciao, ciao.